What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les potes. On se retrouve aujourd'hui sur Destiny, on est vendredi, c'est Xur, on va aller voir ce qu'il nous propose. Son petit inventaire, allez c'est parti. Alors il est au récif hein, les gars, juste ici, et donc c'est parti. Alors déjà grand retour des 3 deniers les gars. Alors désormais il faut savoir que les 3 deniers ne seront pas obligatoirement présents chaque vendredi. Vous avez pu voir hein, les 2 dernières semaines que c'était, on les avait pas dans l'inventaire de Xur. Et du coup c'est complètement aléatoire, vraiment. Si vous n'êtes pas à 400 de lumière et que vous devez encore looter quelques exotiques, je vous conseille vraiment de faire le plein cette semaine parce que c'est pas dit qu'il en vende la semaine prochaine. Voilà, allez c'est parti, on va continuer avec l'engramme. Donc cette semaine c'est un engramme classique. La semaine dernière on avait un engramme de l'année 3 hein, et puis bah, cette semaine on est retourné sur un engramme classique. Donc ça c'est pareil, j'ai l'impression que de temps en temps il va nous proposer un engramme de l'année 3, mais voilà c'est assez rare quand même. Allez pour le titan c'est parti, donc casque de la lumière intérieure, donc avec un maximum d'intelligence vous obtenez les effets de mort venue d'en haut. Alors franchement ce casque, il y a très peu de gens qui l'utilisent, il y a vraiment des meilleurs items pour le titan, que ce soit en PVP ou même en PVE. Du coup franchement je vous conseille de l'acquérir si jamais vous voulez faire la collection, mais c'est pas un item que vous allez utiliser des masses, croyez-moi. Pour le chasseur, on a l'échine du jeune Amkara, donc c'est des gantelets à utiliser avec la doctrine du pistolero, donc avec un maximum de discipline, et ça augmente la durée des grenades laser, et vous recevez une charge de grenades laser supplémentaire. Donc là par contre franchement ce sont des très bons items pour ceux qui aiment jouer en pistolero, bien que on ait également le casque qui permet d'avoir un quatrième tir de pistolero, mais c'est vraiment un des très bons gantelets parce qu'ils nous permettent tout simplement d'avoir une grenade laser supplémentaire, et les grenades laser elles font vraiment mais très très mal je trouve celle du pistolero en tout cas, et du coup voilà j'aime beaucoup ces gantelets. Au niveau de l'arcaniste on a lumière par-delà l'adversité, donc avec un maximum d'intelligence là encore, votre super génère un orbe supplémentaire, vous réanimez vos coéquipiers plus rapidement et ils vous réaniment eux aussi plus rapidement, donc c'est vraiment un bon casque hein, pour le PVP notamment pour Osiris, bien que c'est vrai que pour l'arcaniste également il y a pas mal d'items qui nous permettent d'améliorer les grenades, et c'est vrai que c'est intéressant également d'améliorer les grenades, mais franchement c'est un très bon casque. En plus pour ceux qui étaient là en année 1, je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo quand il le vendait, mais ce casque là il était stylé en année 1, on voulait tous l'avoir, je me souviens avec les petites plumes sur le côté, c'était vraiment le kiff, on voulait tous le chercher. En tout cas franchement il est vraiment pas mal cet item, à vous de voir si vous préférez tout simplement réanimer vos coéquipiers plus rapidement, ou alors si vous préférez améliorer un petit peu vos grenades. C'est vrai que pour l'arcaniste on a pas mal de petites choses qui permettent d'améliorer les grenades. L'arme cette semaine c'est la Monte Carlo, donc un fusil automatique, franchement il est pas trop mal. Donc tout dégât avec cette arme accélère la récupération de votre énergie de mêlée, et les frags offrent une chance de la recharger entièrement, donc ça c'est plutôt pas mal pour récupérer tout simplement l'attaque de mêlée. Et la précision de cette arme est améliorée lors des tirs à la hanche, donc lors des tirs au jugé. Cette arme franchement elle est pas trop mal, on la croise de temps en temps en PVP hein, ça arrive de temps en temps qu'on puisse la croiser. En tout cas franchement l'inventaire cette semaine est pas trop mal, hormis pour le titan je trouve. Voilà le casque est pas un casque qui est forcément très utile je trouve, mais voilà, sinon les autres items je les trouve très intéressants. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires les potes, et puis comme d'habitude vous pouvez changer des cartouches d'armes lourdes, des particules de lumière, pour ceux qui sont en galère d'éclats exotiques pour infuser, vous pouvez également en acheter contre cette pièce étrange. En tout cas voilà, franchement un inventaire pas trop mal, on a connu mieux bien évidemment, on aurait préféré par exemple qu'ils vendent des engrammes de l'année 3 pour ceux qui en ont encore besoin. En tout cas c'est le grand retour des 3 deniers et ça, ça fait plaisir. Allez, j'espère vraiment que cet inventaire vous a plu les potes, je vous souhaite vraiment un excellent week-end, prenez soin de vous, tchuss.